à tous. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous présenter ma MX-8 Aselkon, cette carabine de PCP turque. C'est ma première PCP que j'ai achetée il y a environ 2 ans et demi. Alors, comme j'ai une licence de catégorie C, je lui ai monté le ressort de puissance qui l'a fait passer de 20 joules à 45+. Très simple à faire, hein. S'enlève au cul, hop, on dévisse, on change le ressort, ça prend 3 minutes. Et je lui ai offert un petit custom fait par LTC Snipe. Alors je vous mettrai ses coordonnées par là, je pense, ou par là peut-être. Je lui avais déjà commandé un Colt 1911 Umarex que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Et franchement, je suis fan de son boulot, c'est trop beau, j'adore ce qu'il fait. Donc, j'avais envie de continuer, d'avoir une seconde pièce faite par ses soins. Et c'est tombé sur la MX-8. Alors, j'ai fait quelques petites modifs dessus, hein. La plus importante, c'est celle-ci. Je vous mettrai une photo de plus près. Le problème de la MX-8, c'est qu'elle a un canon flottant, mais ce canon flottant est maintenu à l'intérieur d'un shroud fixe. Et quand on visse cette pièce, quand elle arrive à dévisser, quand on la visse, ça solidarise le canon flottant avec le shroud, ce qui fait qu'il devient non flottant. C'est quand même dommage. Et c'est un problème reconnu. Alors j'ai cherché sur internet quand je l'ai acheté parce que les groupements n'étaient pas terribles. Et je suis tombé sur plusieurs gars qui expliquaient le problème. Alors beaucoup de solutions existent pour remédier à ce problème, hein, de la plus cochonne à la plus travaillée. Il y a des gars, ils te scient le shroud pour laisser un espace, mais après il y a un espace, c'est pas beau, il y en a d'autres qui mettent du caoutchouc. Moi, comme j'ai accès à un tour et une fraiseuse, j'ai pris le manchon, j'ai diminué le diamètre d'un millimètre, et j'ai repoussé la collerette d'un millimètre aussi. Ensuite, autour encore, j'ai fait une rainure dans laquelle j'ai posé un joint torique. Ce qui fait que maintenant, je peux visser cette pièce qui permet de mettre le réducteur de son. Je peux visser cette pièce sur le canon, la serrer, parce que moi j'aime pas quand c'est pas serré, mais le shroud bouge toujours, parce que le diamètre de la pièce est inférieur et c'est le joint torique, pardon, qui fait la liaison entre les deux, qui empêche les vibrations, les petits bruits chiants. Donc, c'est fixé comme je l'aime bien, et il y a toujours le jeu. Et la différence est flagrante, hein. Au début, je tirais les groupements, c'était bien, mais pas ce que j'attendais. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai vraiment resserré énormément mes groupements, hein. Alors, c'est sûr, il y avait plus simple, hein. Ce que font les gars qui ne veulent pas se faire chier, ils ne visent pas complètement. Ils laissent desserrer, mais bon, il y a un espace, moi, ça ne convenait pas. Peut-être suis-je maniaque, c'est bien possible. Donc en fait c'est la modif principale que j'ai fait dessus. Alors bien sûr, il y a mon support de bulle-pied avancé que j'ai présenté dans une vidéo précédente, qui rattrape le deuxième problème, c'est que la carcasse en polymère de la carabine est fixée uniquement par une vis. Et comme le bipied est fixé sur cette carcasse, elle a tendance à jouer sur la flexibilité du polymère. Et moi, ça me gênait d'avoir un bipied qui bouge, désolé, ça me gênait. Donc, j'ai fait ce système que je vous ai présenté, que je vais remonter après. Mais le but ultime de cette vidéo, c'est de vous présenter le custom. Je vais pousser la carabine, qu'on le voit bien. Regardez-moi ce boulot qu'il m'a fait. Alors, bien sûr, j'ai choisi les couleurs, j'ai choisi les tons, j'ai choisi les motifs. Je savais ce que je voulais, hein. Je suis son travail de près, donc j'avais quelques exigences. Il me l'a faite comme je voulais. Regardez-moi comment que c'est beau. Franchement, on passe d'une carabine que tout le monde a à la carabine unique. Ça sera la deuxième pièce dans ma collection customisée par ses soins et certainement ce ne sera pas la dernière. Alors bien sûr, on reconnaît sa patte, hein. Il y a le Punisher, c'est très
Personne d'autre hein, fait ce genre de truc, hein, en tout cas pas en France. Hein. Si vous voulez vous faire réaliser un custom, par ses soins, contactez-le. Hein, je vous ai dit, je vous mettrai son contact. Et puis, voyez avec lui. Hein, il travaille vite et bien, et pas cher. Donc, allez, la partie publicité est terminée. On va monter la carabine. Ça. Alors, l'avantage de la Selcon, c'est que montage-démontage, il n'y a pas plus simple. Une vis qui se trouve dans la poignée. Alors moi j'ai rajouté une petite rondelle d'origine, ils n'avaient pas pensé à mettre une rondelle. Franchement, serrer le plastique, enfin le polymère avec une vis sans rondelle, moi je fais pas ça. Une rondelle, hein. Ça coûte que dalle, ça change tout. Donc bah, il suffit de mettre ça dans le logement. Serrer ça fermement. Voilà. Remettre le cache. Et voilà. Alors maintenant, je vais monter ma petite pièce perso qui rattrape le problème de rigidité. Si vous avez déjà vu mes vidéos, bah, j'ai fait un tuto pour vous montrer la fabrication de cette pièce qui fait la liaison entre la carcasse et la bouteille et qui permet de fixer le bipied de manière avancée. C'est toujours mieux quand le bipied est fixé plus sur l'avant. Normalement, ça rentre comme papa dans maman, hein, ce truc-là. Hein. Voilà. Dessus, mon bipied UTG, c'est le bipied que je monte sur toutes mes carabines, hein. C'est le même, hein. Ça sert à rien d'en acheter 50, tu t'en achètes un bon, puis après tu passes une carabine à l'autre. Hein. Voilà, alors maintenant j'ai la petite touche finale à faire, à mettre. La signature de LTC Snack, comme il n'avait pas la carabine, il n'a pas pu poser son autocollant. Je vais le poser tout de suite. Je vais essayer de faire ça droit. De toute façon, quand c'est des choses qui ne sont pas droites, ça me gêne. Parfait. Regardez-moi la beauté du truc. Franchement, c'est pas magnifique. Bon, il faut que je resserre mon petit anneau en carbone. Faut que je raccourcisse la vis. Hein. J'avais changé la vis et j'ai pas eu le temps de la découper. C'est pas comme si je préparais mes vidéos. Je vais s'accrocher 5 minutes. Voilà. Petit resserrage. Et puis continue. Et voilà. Alors maintenant, je vais remonter ma lunette. Que j'avais démontée pour les petites bidouilles que j'ai fait. Comme pour beaucoup de mes carabines à air, je mets de la hoche. Alors celle-ci, c'est une Vantage
une Oak Vantage. J'en ai plusieurs, alors savoir laquelle j'avais réservé pour celui-là. C'est une 4950. Très bonne lunette, hein, pour un prix plus que raisonnable. Je vais vous passer tout le laïus sur le réglage du dégagement oculaire, etc. Ça fait déjà plusieurs fois que je le fais, on va le faire à chaque fois. Par contre, je vais vous montrer le pré-réglage avec mon nouveau collimateur, RTI. Je m'en suis déjà servi pour régler ma Ruger Rimfire en 22 LR. Et franchement, pour l'approche, c'est nickel. Hein. Alors, c'est sûr, il faut quand même tirer pour affiner les réglages. Mais au moins, on est sûr d'être dans la cible. Ce qui, somme toute, est assez important pour pouvoir faire un réglage sans utiliser 10 boîtes de balles. Ou de plomb, en l'occurrence. Alors, je ne me rappelle plus ces colliers. C'est soit du FX, soit du UTG. Je ne me rappelle plus, j'ai plein de bécanes, j'ai plein de lunettes. Celle-là, c'est la plus vieille. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis à l'époque. Et ben, si je la monte comme ça, de toute façon, il n'y a pas. Elle est déjà en place. Hein. Je vais régler le dégagement oculaire. Je vous reprends après. Voilà, le dégagement oculaire est réglé. J'ai aussi mis à niveau l'optique de la lunette en m'alignant sur la perpendiculaire terrestre, c'est-à-dire avec un fil à plomb, le truc le plus con du monde. Maintenant, je n'ai plus qu'à procéder au serrage au couple de la lunette. Et puis après, aller faire quelques essais sur mon petit stand perso. Alors, comme d'habitude, je fais ça au tournevis dynamométrique. J'ai regardé sur la notice de chez Oak, il préconise 1,8 décanewton. Donc c'est comme pour une roue de bagnole. Hein. Faut serrer en croix. Il faut maintenir le même espace au niveau des colliers de chaque côté. Alors ça, je l'ai réglé avec des cales d'épaisseur tout à l'heure. Les mêmes cales qu'on utilise pour régler un allumage, par exemple, les cartons en divise platiné. Et ce petit outil, la tournevis dynamométrique, franchement, je recommande. Si, comme moi, vous avez tendance à être un peu brutus et à trop serrer et à foirer des filetages, à péter des têtes de vis, voilà, 1,8 décanewton. Et bien avec ça, on serre au couple préconisé par le fabricant. Pas de souci, les matériaux sont faits pour résister à ce couple de serrage. C'est le couple optimum. Et la lunette ne bouge plus. Et on n'écrase pas le corps, hein, parce que j'ai déjà vu des vidéos où les mecs ils serrent ça avec une visseuse, perceuse-visseuse. Là, je fais, oh là, c'est pas possible. T'imagines le tube, comment il doit prendre cher. Enfin voilà, chacun fait comme il veut, mais moi je fais avec ça. C'est pas très cher, c'est très utile. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Maintenant, on va procéder au réglage, au pré-réglage de la lunette à l'aide du collimateur RTI. Je vais couper une seconde, le temps d'enlever les réducteurs, parce que hein, l'intelligence artificielle, je dirais la connasse artificielle, risque de nous bloquer parce que j'aurais dévissé et revissé le réducteur de son. Voilà, le réducteur a été enlevé, hors champ. J'ai monté la broche correspondante dans le collimateur. Il y a une broche pour chaque calibre de canon. Moi, comme c'est une 5.5, c'est donc la broche de 22.
Je vous ferai un gros plan sur le matos après. Donc, il suffit de l'introduire dans le canon, d'aligner les perpendiculaires. C'est trop fort. Le régal est quasiment bon. C'est le plus chiant en fait, hein, surtout que je dirais que j'ai le bras trop court. Je pense que je vais faire une réclamation à ma mère là. Elle m'a fait un bras trop court. Donc là, les réticules sont alignés. Je vais à la rigueur mettre un petit clic à droite. Ben c'est parfait. Ben ça aurait été super rapide. En fait, ma lunette a gardé le réglage que j'avais avant de démonter. Donc je dirais impeccable. Je n'ai plus qu'à installer mon petit stand à l'extérieur pour faire quelques tirs de contrôle et pour affiner les réglages. Et puis, ça sera tout. Donc, je vous reprends, j'installe le bordel dehors. Bon, nous voilà dehors. C'est parti pour le réglage fin de la MX-8 customisée. Alors, comme d'hab, je vais tirer du FX hein, en 5.5. J'aime bien le FX. Un peu cher. Et franchement, quelle précision par rapport aux autres boobs. Allez, pas que ça à faire. C'est parti. On est pas mal. C'est cute. Alors, voyons voir si le collimateur a fait son job. Faut mettre du droit. Pas mal, hein. Bon, un petit deuxième chargeur pour refermer le bordel. C'est cute. Je vais aller chercher mon sac de sable parce que je bouge un peu trop de café. Bon, après avoir changé la cible, je me suis aperçu que ma caméra en cible s'était arrêtée. Alors, il n'y aura peut-être pas d'image. Pas d'image en action, en tout cas. Je vous mettrai les cartons après. Ah, voilà. On est bien, là. Je fais plus de nouveaux trous, tout est déjà dans les trous existants. Bah celui-là, c'est celui qui était déformé, je l'ai vu quand je l'ai mis. Allez, moi je dis, elle est réglée. On arrête là. Il faut quand même que j'aille taffer pour payer toutes ces conneries. Alors au cas où le téléphone en cible n'est pas filmé, je vais vous amener voir. En vrai, ce que ça donne. Bon, il est à 25 mètres. Alors, premier carton. Les réglages. Deuxième carton.
Oui, je dis que c'est bon, hein. Allez hop, les amigos. Fin de la vidéo, fin de la séance.